secrétaire général des Nations Unies, dans la fin de semaine, il déclarait que la maladie nous gagne là, jodi, ça y est, le coronavirus là, c'est une situation sans précédent. Nous mettons le temps de discours de faire. C'est une situation sans précédent. L'OMS lui-même, Organisation mondiale de la santé, qui au niveau mondial très préoccupée par ce qui a passé là, lui dit coronavirus là, pour coronavirus, pour ça nous gagne là aujourd'hui, hein, c'est pas seulement mise en quarantaine pour nous faire. C'est pas seulement fermer bar, fermer l'école, problème migratoire, etc. Alors, une phrase qui retient attention, il dit il faut tout faire, faites tout. Faites tout. Ça veut dire il y a tout ça plus l'autre bagaille. Ce qui veut dire que pour approcher question coronavirus là, je dis à nous besoin pile humilité. Nous besoin pile science. Nous t'a parlé de science tout à l'heure. Nous besoin en pile inventivité. Et en France, il y a 30 journalistes qui mettaient ensemble, ils ont écrit une pétition. Côté ils dit, définitivement, je dis, hein, c'est qu'on a besoin de la presse. Et tout ceci pour vous dire que la question de la communication est au cœur du problème coronavirus. Là. C'est un problème. Et l'une des solutions, c'est la communication. La communication, nous connaît l'importance dans toute bagaille. Mais dans le cas ça, je dis, encore plus, il vient imposer comme une réponse pour plusieurs raisons. D'abord, pour éviter éparpillement de l'information, pour éviter fake news, comme je dis, c'est le mot à la mode, et qui peut être, au lieu, il y a une incidence positive, parole à droite et gauche, eh bien, pour éviter tout ça, nous avons créé le ministère de la Culture et de la Communication après conseil avec ces entités techniques, le secrétaire d'État à la communication avec qui nous avons eu une séance de travail, le directeur général de la communication avec qui nous avons eu une séance de travail, le directeur général de la télévision nationale, M. Gamal Augustin, avec qui j'ai eu une séance de travail, le directeur général de la radio nationale, M. Daniel, avec qui j'ai eu une séance de travail, le directeur de communication du ministère avec qui j'ai travaillé. Toutes les unités de communication publique actuelles sont mobilisées pour vous informer. Lancement du centre d'information permanente sur le coronavirus. Permettez que j'exprime d'abord mes sympathies aux personnes touchées par ce virus qui affecte tous les continents et frappe déjà certains pays de la Caraïbe. Jusqu'à cette présente minute, le coronavirus, appelé COVID-19, est absent de notre sol national. Toutefois, le gouvernement assure le suivi de la situation épidémiologique et la mise en place des mesures de prévention en collaboration avec l'ensemble des autres services de l'État, en particulier avec le ministère de la Santé publique et de la Population. Merci, Madame la Ministre, pour votre excellent travail sans relâche depuis que cette alerte a été lancée. Pour limiter les dégâts du coronavirus qui menace la santé de tous nos concitoyens, le gouvernement a décidé d'ouvrir ce centre d'information permanente au bureau du secrétaire d'État à la communication en vue de mobiliser toutes les ressources, toutes les compétences et les expertises nécessaires pour notre compréhension de cette pandémie qui inquiète le monde et qui panique de nos jours presque toute la planète. Le ministère de la Culture et de la Communication, qui a la responsabilité politique de communication du gouvernement, va devoir continuer à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population pour l'information et la sensibilisation de la population sur l'évolution du coronavirus. Par cette plateforme médiatique, le ministère de la Culture et de la Population coordonnera, dans le cadre d'une synergie active et pratique, et sous le leadership de la primature,
les actions de sensibilisation de toutes les entités concernées en la matière, comme les médias publics, les médias privés, l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, l'Association des médias indépendants d'Haïti, AMI, l'Association des journalistes haïtiens, le CONATEL, le Système national des risques et de désastres, les organismes internationaux dont OCHA, le PNUD, qui se mettent déjà à la disposition de l'État pour informer la population à travers des émissions, la diffusion de spots de sensibilisation et de tout message en rapport avec le coronavirus et d'autres urgences nationales. Ce centre d'information dédié au coronavirus ou COVID-19 va répondre à toutes vos questions, mais également vous donner des recommandations pour votre santé. Je ne saurais terminer sans remercier la presse, notre partenaire privilégié, et à l'inviter à nous accompagner comme toujours dans cette action commune contre la pandémie du coronavirus. Nous accueillons favorablement centre d'information permanente ça sur coronavirus parce que centre d'information ça a permettre que nous relayer une seule information, une même information by tout média qui existait en Haïti. La permettre nous tout qu'embé population en calme, pour population en pas paniquer et la permettre nous que média yo que population en gagne information en aussitôt que nous gagnons. Donc c'est peut-être ça m'ta remé en premier lieu dit population en qu'embé calme ni. Ministère santé publique a agi dans la transparence et à chaque fois gon information ministère santé publique a présent pour capable annoncer. Gen pile fausse rumeur k'ap circuler. Gen pile information k'ap circuler ou tande un tel gen coronavirus, un tel pa gen coronavirus ou bien un tel ap transmet li gen coronavirus nan tel l'hôpital, gen coronavirus nan tel clinique. M'ap rappeler que c'est vrai gen signe et symptômes et gen signe et symptômes pour capable détecter coronavirus. Mais en plus de ça, pour capable dire un monde gen coronavirus, gen définition de cas, gon paquet l'autre information pour gagner par exemple notion de contact et puis ensuite gagner on test pour fait pour capable dire que moun sa gen coronavirus. Donc pas tande toute information qui a circulé sur toutes réseaux sociaux qui a dit que un tel gen coronavirus ou bien pas gagner kembe calme. Depuis mois de janvier, ministère santé publique depuis l'heure OPS OMS, OMS a commencé à annoncer certaines choses, ministère santé publique est mobilisé. Par leur consent, technicien ministère santé publique yo a capable ban nous plus en détail sa ministère a été fait. Mais et capable dire nous que actuellement dans le monde jusqu'à aujourd'hui globalement nous gagnons 153 517 cas confirmés. Nous gagnons 5735 décès qui avec un taux de létalité à peu près de 3%, taux de létalité a fonti baissé de semaine dernière à Kounia. En Haïti, je voulais pour ça pour nous tendre le bien. En Haïti, poko gagnen aucun cas confirmé. Poko gagnen aucun cas confirmé, j'aime toujours dire jusqu'à 10h25, poko gagnen aucun cas confirmé. Même capable tourner après-midi hein, pour me dire nous que gon cas confirmé parce que si qu'on y a yo relé nous yo dit nous que gon monde tel côté qui gagnait tout ça que nous gagnait dans définition de cas yo n'a prend test là et nous capable retourner pour nous dire que nous gon cas suspect que li négatif ou bien le positif parce que dernière fois qui était gain incident capable relé comme ça en République dominicaine le lendemain nous te vinn dit que nous te gagnen un cas suspect et en pile monde t'a dit l'homme t'a fait conférence de presse là à 11h m'pa dit te gagnen cas suspect mais ça qu'arrivé que dans 10-15 minutes yo relé nous yo dit nous que nous gon cas suspect à ce moment gagnen prélèvement qui pour faire pour monde ça et puis nous fait test donc moi voulais dire en gros pour population en kembe calme pour continuer suivre toute consigne ministère santé publique bail déjà et m'a rappelé yo pas oublier
pour nous laver mes mains de temps en temps. Il y a un gens pour nous laver mes mains. Il y a un pile côté technicien ministère santé publique à passer dans l'école, dans l'institution publique, dans l'institution privée, dans l'hôtel, etc. Et dans la formation, ça a montré qui gens pour laver mes mains. Donc, m'a dit laver mes mains de temps en temps avec de l'eau et savon. Et si nous pas gain de l'eau avec savon, nous sommes capables d'utiliser ça y aurait les couramment sanitizer, les produits à base d'alcool.